Ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. Lionel Messi vient encore une fois de claquer un doublé avec l'Inter Miami. Franchement, aux États-Unis là, vous ne comprenez pas ce que c'est le foot ou quoi? Donc Lionel Messi, il va taper des doublés, des triplés à tous les matchs. Mais comment on va pouvoir le rattraper? Comment on va pouvoir le dépasser au niveau des records de buts, de passes décisives? Hein? Il est parti dans le championnat le plus nul de la planète. Et regardez, il n'arrête pas de marquer. Franchement, les Américains, là, hein, il va falloir que vous supprimiez le football de votre culture. Je ne sais même pas pourquoi vous jouez au ballon avec les pieds. D'habitude, vous, vous jouez avec les mains. Basketball, football américain. Mais là, vous voulez vous mettre au soccer. Et puis, vous ramenez Lionel Messi. Mais il fallait ramener des défenseurs, des joueurs de foot dignes de ce nom. Lionel Messi, à tous les matchs, il va mettre des buts absolument inarrêtables. Vous n'arrivez même pas à comprendre comment le ballon lui colle aux pieds. Vous n'arrivez même pas à comprendre quelles sont les règles footballistiques, quels sont les fondamentaux. Et puis Lionel Messi, il est là. Il se balade dans le milieu avec le ballon. Tout le monde dit, oh, that's crazy. Non, c'est pas crazy. Prends-lui le ballon. Défends bien. C'est quoi ça? Franchement, si vous êtes venu pour laisser Lionel Messi marquer sur chaque équipe, franchement, il va falloir revoir vos priorités. Là, on a l'impression que là, tout le monde qui se retrouve face à Messi, oh, on joue contre Messi, vas-y, marque. Ouais, regardez, Messi, il m'a mis un but. Oh yeah, that's crazy. Non, mais calme-toi, Américain. Calme-toi. Ne cherches-tu pas à remporter des victoires? Mais en plus, le truc de malade qu'il y a aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de descente en division. Ça veut dire que tu peux retrouver des équipes qui sont à la dernière position pendant des années et rien ne se passe. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? T'as pas compris. Ça veut dire que nous, on a la Ligue 1, on a la Ligue 2, on a la Nationale, on a tout ça, division, excellence, CFA 1, CFA 2, on a tout ça. Aux États-Unis, il n'y a pas tout ça. Il n'y a qu'une seule ligue. Ça veut dire si tu es dernier, tu restes dernier et il t'arrive rien. Donc là, on va voir une saison absolument incroyable de la part de tous les clubs aux États-Unis. Voilà, donc Lionel Messi va remporter tous ses matchs face à tous les clubs qui vont tous se retrouver à la dernière place. Tu te rends compte? Hein? Ils vont tous dire, non, c'est Messi qui doit gagner le championnat. Allez, voilà. Mais c'est bon, donnez-lui directement le championnat. C'est quoi ça? Des matchs organisés, sponsorisés, où on laisse Lionel Messi marquer tous les buts. Franchement, là, on peut dire ce qu'on veut. C'est le meilleur joueur du monde. Mais là, quand tu regardes comment ça joue, tu te dis, mais attends, c'est quoi ce délire-là? Ils sont venus dans quel but? Ils sont venus pour faire de la figuration? Ils sont venus pour manger? Hein? Ils sont venus pour se faire humilier au niveau international? Et ils n'ont rien, ils n'ont pas de problème avec ça? Sachez que dans le foot, on est impitoyable, hein? Si t'es nul, tout le monde dit que t'es nul. Mais bon, aux États-Unis, ouais, on vous dit t'es nul. Oh yeah, that's crazy.